Il prend des précautions pour faire le Père Noël. Attention, c'est quand tu veux. 3, 2, 1, joyeux Noël! Là, mon gars. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de faire une maison en carton géant. Ça va être une maison dans cette pièce. Voilà, on va prendre toute cette pièce et on va essayer de faire une maison avec des cartons qui sont juste ici. Mais avant tout ça, je vous dis, si jamais il y a 15 000 likes en dessous de cette vidéo, j'essaierai de faire une villa dehors en extérieur. Mais vraiment une villa immense. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. Et si on atteint 15 000 likes, je ferai une villa. Aujourd'hui, les amis, comme je vous l'ai dit, on va faire une maison en carton, mais je suis pas tout seul, je suis aussi avec votre deuxième youtubeur mon marseillais préféré. Ouh, Geekmap qui va m'aider à fabriquer ma petite maison qui est juste là, et vous allez voir, on va essayer de faire un truc cool avec des portes, des fenêtres, peut-être un étage. Oh, peut-être un étage, on verra bien. On a pas mal de cartons, on a déjà tout ça qui est ici, on a aussi, regardez, venez voir, pas mal de cartons qui sont là, donc on a assez beaucoup de cartons, donc c'est bon, je suis confiant, on va pouvoir faire notre maison. N'hésitez pas à commenter pour savoir ce que je pourrais faire dans une prochaine vidéo comme truc en carton géant. J'avais déjà fait un avion, alors on va faire, on veut dire, un petit appartement, tu vois. Donc je compte sur vous pour me donner des idées en commentaire, et n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est très important pour voir la suite des vidéos. Si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pourrez pas voir les prochaines vidéos. Voilà, bon, pour cette maison, je pense que déjà faut fabriquer, faut qu'on fasse un plan. Genre comment elle va être, l'angle. Tu sais que je vais mettre ma salle de bain, ma chambre, la cuisine, le salon. T'as des feuilles? Et paf, voilà. On a notre feuille. Je pense que déjà on va partir sur une maison genre carrée, comme ceci, tu vois. Bien carré. On va faire la porte d'entrée qui va être ici. Je pense que là on va faire une fenêtre, deux fenêtres. Ensuite je pense qu'on va faire aussi peut-être un étage, genre l'étage du dessus, où c'est qu'il va avoir peut-être un balcon. Et encore des fenêtres. On va faire aussi, je pense, des cloisons. Comme ça et comme ça, pour faire des pièces. Et après, au pire, on improvise. Hein? Donc voici les plans de notre appartement. C'est complètement nul. Je pense qu'on va improviser, c'est ce qu'on va faire. Improvisation, on improvise, on improvise. Déjà, étape numéro 1, faut créer les murs. Comment tu vas faire tout ça? On va prendre un ciseau pour faire nos découpes de carton et du scotch pour pouvoir scotcher tout ça. Pour faire genre le ciment, tu vois, de notre maison. D'accord. Ouais, ça c'est bien, c'est bien du scotch. C'est le début le plus dur. Et après ça va aller tout seul. Et voilà. C'est bon, on est fini la maison. Non, moi je pense plus comme une cloison. C'est quoi une cloison, Pikachu? C'est un mur. Ça m'a bien aidé. Eh oh. Oh, on retrouve tout dans l'appartement. Tu voudrais mettre comme ça. Voilà. Notre cloison, je suis pas dans la maison. Bon, les fabricants de maisons en carton de père en fils. Tour Eiffel, en carton. C'est nous. Regarde, toi, comment je colle bien. Je colle mal. Voilà, mesdames et messieurs, on a déjà notre premier mur. Regardez ça. Ça, c'est propre. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez construire des trucs en carton chez vous. Nous sommes dispo. Eh, hey, c'est vraiment pas mal. Hein. Là, je pense ici, on va faire une petite fenêtre. Vas-y, dis-moi, colle. Je tiens. Oui, colle, mais pas le scotch. C'est mon moment chiant, ça occupe du scotch. Ça met partout. Moi, je verrais bien une piscine après. Non. Ah ouais, ouais. Une piscine, carrément. Un jacuzzi, ouais. Un jacuzzi. Oh putain, c'est pas vrai. Vas-y, découpe. C'est pas facile parce qu'il y a des trucs. Alors là, ouais, on va essayer de mettre ça collé comme ça. C'est bien, là, on a un espace assez grand, non? Ça se convivial, à la fois chaleureuse et éventuellement... Sexe. C'est pas le mot que je voulais dire. Bon, là, va falloir scotcher tout ça. Vas-y, je vais entrer à l'intérieur, je vais te le tenir. Vas-y, je tiens. Rentre dans la villa. Scotcher alias scotch a room, en latin. Qui veut dire scotcher. Regardez, pendant qu'il scotche, on a vraiment un beau petit espace dans notre villa. C'est pas trop mal, pas trop mal. Ça va. Nickel. Mais voilà, et là, ça avance bien. Là, regarde. Franchement, c'est pas mal. On est juste un peu concentré parce que là, bon, c'est plus un appartement qui va pas tarder à s'écrouler. Mais c'est pas mal. Bon, qu'est-ce que tu vas faire, là, Pika? Là, attends, je pousse les murs, tu vois, comme ça. Oh, là, ça commence à être droit. C'est parallèle de ouf. Allez, vas-y, un petit comment. Le genre français. Je t'avais dit que ce projet n'est pas mal.
marcher. Mais il insistait, toujours insister. Ouais, je veux faire une maison. Ça va marcher, ça va marcher. Moi, je lui ai dit, fais ça dans la nature. Non, fais pas ça dans la nature. On verra ça pour le deuxième épisode. Si j'aime, il y a 15 000 likes. D'ailleurs, mettez un like parce que s'il n'y a pas 15 000 likes, et ben, on fera pas la villa. On fera une villa avec piscine aussi. Avec piscine. Avec piscine. On va creuser. On va dire qu'on creuse dans un trou et mettre de l'eau. Si tu fais ça comme ça, vous faites. Le monde va. Est-ce que tu préférais faire un igloo ou alors une maison carton? Avec des igloos en carton. Une maison en igloo en carton, prochaine vidéo. Attends tes doigts que je ne coupe pas les doigts. It's a prank, bro. Tiens ça comme ça. Impeccable. Maintenant, pour faire la partie 2. Voilà les gars, on a terminé les 4 murs de notre maison avec, regardez, le début de notre toiture. Maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est le toit. La toiture, c'est parti, let's go. Moi, je pense que pour la toiture, on pourrait prendre ce carton-là. Je pense qu'il est assez gros. Il est assez gros, vas-y. Vas-y, tiens, prends un lipéance. Hop. Et il est assez bien, hein? Ça passe. Ça passe ou pas? Mais ça va, c'est ouf, c'est exceptionnel. Alors, attends. On va pouvoir mettre une PS4. On va pouvoir faire la PS4. Bon, l'avancement de notre appartement est vraiment pas mal, regardez. Ah, là. Regarde, vas-y, viens voir. Et quand on se met là, on a vraiment l'impression qu'on est dans une maison, non? Regardez ça, c'est génial. Ça va, Pierrot? Ça va, nickel. Et dedans. T'es où? Je suis là, regardez. Il y a au moins 4 mètres carrés, tu vois, là, tu peux te mettre là, si t'as envie d'habiter un petit pote à toi, et ben tu te mets là, et tu dis, ah, mais tu peux rester là que là, parce qu'il n'y a pas trop de place. Alors, attends. Là, on va mettre là. Et il te reste pas les gros cartons dedans normalement? Ouais. Vas-y, envoie-moi le par-dessous là. Le mec a soulevé la maison. Moi je te dis, après, pour la revendre, une fortune. Ouais, c'est genre 50 euros. Ouais. Eh ben écoute, franchement, on n'est pas trop mal. Franchement, Attends, je vais un petit peu la décaler. Vas-y, Pierrot, on décale un petit peu dans la. Vas-y, pousse au fond. Attends, par terre, ça s'effondre. Pousse avec le pied par terre. Voilà. Franchement, c'est pas mal. Voilà les amis, c'est bon, regardez, on a terminé quasiment toute notre maison. On a fait les murs, le toit, regardez, venez voir, je vous fais visiter. Donc là, voilà, on a à peu près 4 mètres carrés à l'intérieur avec un magnifique toit étanche, très important. Pareil de l'autre côté, regardez. Franchement, c'est super grand. Ça va ta geekmap, t'es dedans? Je vais super bien, c'est spacieux. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en fait des portes pour pouvoir en fait rentrer dedans et en même temps te libérer quoi, parce que t'es bloqué. Alors la porte, je pense qu'on va faire ça, mais regarde, on va partir de là. On va descendre là. Attention, fais gaffe que je te plante pas. Hein. Okay. 3, 2, 1. Ah 3, 2, 1. Regarde-le. Il est en train de prier, de méditer. Vous êtes dans un lieu de prière, monsieur. Là, on peut rentrer à deux. Regardez le décor de ouf que vous pouvez voir actuellement. Génial. Regardez. Qu'est-ce qu'il a marqué? Il a marqué Pika. Il a une bite. Franchement, il se tient debout. Je tiens debout. Regardez ici, on a une petite étagère pour poser les trucs. Et franchement, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les fenêtres. C'est parti. C'est parti, go. C'est parti. Là, pour cette première fenêtre, on va faire une fenêtre avec des volets et tout, tranquillou, vous allez voir. Prendre Pika, il manque pas un truc du nom de cheminée, ça serait pas stylé. Oh, une cheminée? Ouais. C'est vrai, j'approuve ça, on va allez, même un Velux. Oh, ça je valide. Alors, pour la première fenêtre, on va faire ici. Oh voilà. Et on descend. Elle est très grosse, ta fenêtre. Ouais, tu vas voir. Ah oui, bien vu. Là tu galères moins avec le sujet. Ah non, franchement c'est le top. Là, et là regarde, maintenant on peut faire ça. On a des volets. Tu vois totalement ce que tu souhaites faire. Et voilà. Regarde, on a une magnifique fenêtre. Tu vois, pour aérer ou quoi, tu peux même fermer. C'est pas mal hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Moi je dirais la cheminée. La cheminée? Comme ça, ici. On la met où? On la... Il s'est niqué. Moi je dis on la met là. Ouais. Et voilà. Mon zizi, t'as dû bouffer mon zizi. Ah oui c'est vrai. Bon, attends, je veux voir. Non, il m'a détruit mon zizi. Et voilà. Et voilà. Elle est pas mal hein. Franchement. Ensuite, est-ce qu'on ferait pas un Velux ici? Ouais. Ah, on ça veut faire. C'est un double vitrage. Ah, ouais, double vitrage. MVLux. On a pensé à tout. On a pensé à tout. Génial, vas-y, mets-toi à l'intérieur pour regarder ce que ça fait la cheminée et la fenêtre. Ah, 3, 2, 1.
Tada! Eh, ça rend bien? Ça rend... un petit peu de lumière dans le séjour, tu vois. Eh, c'est magnifique. C'est la cheminée, elle est comment? La cheminée, bon, il y a un petit trou. Oh, il y a un petit trou dans la petite merde! Et le Véluc, magnifique, et on peut voir la petite Pikachu. Et voilà, les gars, notre maison avec Geekma. Franchement, elle est pas mal. On a dû changer la porte de place parce que, ben, on trouvait que c'était mieux. En même temps, elle se ferme mieux. Et franchement, comment tu trouves cette maison? Franchement, si je dois mettre une note sur 10, je mettrais 11. Oh, c'est tellement magnifique. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à me marquer une note en commentaire parce que là, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, je te lance un défi, Pyro, c'est... Est-ce que tu serais capable de passer par la fenêtre? Genre... Tu rentres comme les cambrioleurs, genre en bateau. Vas-y. Sans rien toucher. Sans rien toucher. Attention, lance le Pyro, 3, 2, 1... Il est passé! Il est passé! À toi maintenant. Oh putain. Attention, le sportif français. 3, triple médaille d'or, attention, 3, 2, 2. Ah bah là c'est plus une porte. Bon, Geekma, prochain défi, est-ce que tu serais capable de passer comme le Père Noël sur le toit? Ah tu plonges comme je sais pas moi. Il prend des précautions pour faire le Père Noël. Attention, c'est quand tu veux. 3, 2, 1, joyeux Noël. Là mon gars, t'es où là? Bon. Oh mec, la gueule de la maison. Une maison en carton finalement. Ah bah là mon gars, elle est morte. J'ai le toit. J'ai le toit, la cheminée. Bon ben voilà ce qui reste du coup de notre maison. N'hésitez pas à mettre 15 000 likes si jamais avec si vous voulez qu'avec Geekmap on fabrique carrément une villa. Et mec, ça pourrait être énorme. Sinon tu sais quoi? À 20 000 likes, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Une villa dans la nature. Non. À 20 000 likes, on fait carrément un bateau. Et on va sur une rivière et on monte dedans. ça pourrait être cool ça. Ça pourrait être cool. Voilà du coup ce qui reste de notre maison. En tout cas, n'hésitez pas à voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici. À vous abonner juste là-haut. À vous abonner à Geekmap, sa chaîne est en description. Je compte sur vous. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si jamais vous avez aimé, franchement, notre maison, je lui mets pareil. 20 sur 10. Oh, c'est la note. Oh, vraiment, vraiment au level quoi. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace. Perfect.